On February 23, 2014, a bloody coup d'état happened in Kiev, financed by John McCain, who bought all the nationalist neo-Nazi militia to act on US foreign policy's orders. The new president, Poroshenko, whose real name is Waltzman, but using his mother's name to sound more Slavic, is merely a puppet of Poland, Germany and France, who first recognized his legitimacy after negotiations, which results Russia refused to condone. In 1922, Lenin gave Donbass to Ukraine within the Soviet Union by goodwill to strengthen it and gain popular support, a reckless and egocentric move that only seeded problems to grow over time. Just like Khrushchev gave Crimea to Ukraine within the Soviet Union on a whim in 1954, but the peninsula is and always has been Russian. Donbass has about 90% of ethnic Russians, and people there speak mostly Russian or Surchik. They do not speak Ukrainian. When the new Kiev regime wanted to ban Russian as a language, Donetsk and Luhansk had no choice but to declare independence. Ukraine is ethnically, culturally, and linguistically not one country. In fact, it's not a country at all. It was artificially created in 1917 from parts of Poland, from the remnants of the Austro-Hungarian Empire, and from parts of the Russian Empire, as an arrangement to be a chunk of the Soviet Union, but was swamped in the civil war in 1921. Ukraine, or Ukraina, means near the border or the borderland. It's a country made up from annexing land from other countries' borders. Я сейчас расскажу, что это. Эта капсула, значит, была создана, и ее копия с землей Кургана Победы уехала, то есть у нас на ДК Ленина. Была набрана земля Сечного огня. Она сюда помещена, и ее точная копия уехала и дошла до пролива нашего, Беринного пролива. Вернулась опять в Дрептов парк и была установлена в Дрептов парке. Это же я организовал. Это Берлин. Берлин. Извините. Там надо какой-то освободитель с девочкой с мечом. Я еще раз говорю, вот это вот аналогичная копия. То есть их было здесь сделано две. Одна осталась у нас в Петровке, а вторая уехала в Берлин. The coup d'état was claimed to be justified to, quote, get rid of corruption, unquote, and to, quote, get rid of Russian influence, unquote. But if Russia had been controlling Ukraine, how could a coup even happen? Russia witnessed it like everybody else, proving Russia was not in control of Ukrainian affairs. Corruption was an endemic problem indeed, but that hasn't been solved by the coup d'état. In fact, it made the situation worse. Yeah.
There we are approaching what's left of the airport. The Donetsk airport. А он же товарищ-то из Бельгии. Матушка, а можно я... Меня повыносило с хаты. И жить больше негде, ни родственникам, никого, да? Нет, нема. Дай Бог, хоть на том свете, может, справедливость будет. На этом явно нет. Конечно. Тем более, я живу здесь 70 лет. Папа с мамой умерли. 70 ans qu'elle vit ici. Вот так и живу. А вот так каждый день приду, плачу, плачу. Посижу, а с хаты не могу уходить. А туда, меня туда даже не тянет. А сюда прихожу... Потом просто отчий дом, поэтому и не бросали. Мне говорили, мне предлагали, говорит, что давайте мы вас там где-то за Ждановской развилкой дадим хатку малюсенькую. Я говорю, у меня хатка своя развалилась, а я пойду в какую-то хатку, когда я 70 лет здесь прожила. И куда я пойду? Ну куда? Я говорю, я не могу, я не брошу, пока здесь не умру.
Nothing is left intact. The graveyard tombstones were used as cover, and the dead could not sleep. So here we visited Donetsk airport and the pictures that it's near that to use the drone here because there are jump systems and also soldiers who shoot at the drone and create a situation. So we're drawing today here. To drone next time on a site that's either more remote from the front line. Thank you.
Шахтер Донецк. Футбол. But Ukraine army didn't just shell the airport. They tried and shell the hospital in Donetsk, but kept hitting apartment buildings were in the way to the hospital. Мы сидим с кумом, пьем водку. Рюмки с водкой подпрыгивают на столе от взрыва. В самом доме живет друг на 13 этаже. Вот смотри, отсюда хорошо, отсюда видно. Он, видишь, попал в снаряд. Видишь, дырка в стене. Nowhere was safe. Kievsky district still harbors all the scars of the war. Там хлеб, да, хлеб. This bread factory was deemed a military objective by the Ukrainian army. Today we are going to Staromikhailovka to bring some humanitarian help for three grandmothers. We need this humanitarian help to just simply eat. One grandma has a cancer, another one has no pension because she has no valid papers, and the third one is a veteran from the Second World War. So we will bring some food products for them. We brought sugar, a lot of pastas and this kind of basic food butter, cream, this kind of expensive things, and cans with meat and fish. So some kind of expensive food that they cannot afford. Что за видание? Давай, спасибо. Так несчастно, что я думала, у меня было два сыночка, а внучки, я их не застану. А что, внуки, это мне не... Я не хочу их обременять. Они молодые. Один университет, инженером работает. Но я им не... Они мне нужны. А бабушке их не стало. До свидания. Жизнь, знаете, она уже не нужна.
курорт. Saur Magila, the Mount of Victory. We meet Sergei. He's from Lugansk, but grew up in France, and he fought in this war for the land of his ancestors. Bonjour Sergei. Sergei, peux-tu nous expliquer, pour celui qui rentre, qu'est-ce que c'est que cette colline, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et en quelle année? On se trouve sur la hauteur 267 du nom de Saur Magila. Et on ne le voit plus, mais avant il y avait un soldat soviétique qui était placé ici pour des soldats soviétiques morts. Cette colline a une signification stratégique. D'ici, nous pouvons contrôler le passage des troupes entre plusieurs points. On a le nord, le passage frontière du Varino au nord-est, Abrosivka, qui est une ville très frontalière russe au sud-est d'ici. C'était le cas déjà pendant une proximité. Et malheureusement, l'histoire s'est répétée de nos jours à partir de juin 2014. Quand les troupes rebelles ont commencé à prendre le contrôle des administrations des différentes villes, ils ont forcément trouvé une grande utilité à cet endroit. Ils ont placé ici environ une section, c'est-à-dire une trentaine de combattants qui se relayaient ici entre début juin et début août. 2014. C'est ça. Et les premières tentatives ukrainiennes ont commencé vers le 5 juin. C'est une brigade qui est devenue tristement célèbre un peu plus tard. Quasiment entièrement dans le chaudron de Varino en juillet 2014. Et ce sont des éléments de cette brigade, environ une compagnie et une section du 3e régiment de Spetsnaz qui tentaient de prendre cette colline d'assaut. Ça n'avait pas marché et ils ont effectué plusieurs tentatives au cours du mois de juin. Explique ce qu'est un chaudron, qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau tactique? Un chaudron, c'est un petit peu ce qui est devenu une tradition locale ici. Ce sont des endroits où se concentrent de grandes forces de l'ennemi, lesquelles on encercle et on réduit peu à peu. Il y avait le plus connu et le tout premier chaudron, et celui de Ilovaïsk. Il y avait en fait le tout premier, mais qui n'est pas connu, donc qui n'est pas considéré historiquement comme premier, mais qui était celui de Ilovaïno. Il y a eu en 2015 le chaudron de Debaltsevo. Debaltsevo. Et il y a eu aussi d'autres chaudrons un petit peu partout. Il y en avait Ambrosivka, Isvarino, il y avait l'aéroport de Lugansk et quelques autres endroits. Et donc cette bataille-ci précède la bataille de l'aéroport de Donetsk.
Disons que cette bataille s'est faite parallèlement à l'ensemble de la guerre. D'accord. De la guerre de 2014. Mmh. Du fait qu'elle a duré 2 mois. 2 mois, oui. D'accord. Et donc, comme on a parlé du chaudron de Isvarido, mmh. cette colline a servi de position stratégique, puisque la 79e brigade aéromobile qui s'est trouvée encerclée à Isvarido, c'est justement par ici qu'elle aurait pu sortir du chaudron. Mmh. Donc cette colline était un endroit stratégique qui empêchait les éléments de la 79e brigade à se replier, tout simplement, ou d'avoir des renforts. Mmh. Et c'est seulement au début du mois d'août, quand sur l'ensemble du front, les forces rebelles commençaient à perdre du terrain, que le commandement ukrainien a constitué un bataillon sur la base de la 51e brigade mécanisée. Mmh. Pour une fois, le 3e régiment de Spetsnaz et quelques unités de nationalistes ukrainiens, mmh. notamment le tristement célèbre bataillon de Kursk. Et c'est donc le. La deuxième plus grande tentative de reprendre cette colline avait débuté par des assauts avec des véhicules, des chars, de l'artillerie et même deux avions de combat. As you walk up that hill, the sense of history is overwhelming. You can sense the violence of the fighting. Это наша ДНР, земля сила. La 51e brigade mécanisée avait été passée au tribunal pour n'avoir pas réussi à reprendre cette colline. Mmh. Et c'est donc, quoi la charge ? Incompétence ou Ça, on ne le sait pas. Mauvais choix stratégique ? Ça, on ne le sait pas. D'accord. En tout cas, le même 7 août, il restait plus que 6 soldats de la DNR sur place. Mmh. Et ils ont dû abandonner cette colline. D'accord. Donc c'était des gens du bataillon Vostok, dont on voit le drapeau. D'accord. Et le commandant de la brigade Vostok de l'époque, qui s'appelait Alexandre Khodorkovsky, avait déclaré officiellement que la colline était perdue le 7 août. D'accord. La stèle. C'est la base sur laquelle il y avait le soldat soviétique qui regardait vers cette direction-là. D'accord. Alors, c'est les Ukrainiens qui ont contrôlé pratiquement tout le mois d'août. Plus l'artillerie ukrainienne qui ont bombardé tout à tour cette colline ainsi que les abords. Mmh. Et au final, c'est vers fin août, entre le 20 et le 30 août, que le soldat soviétique est enfin tombé. Et c'est également vers fin août que les Ukrainiens ont dû abandonner définitivement la colline, alors qu'ils ont commencé à être encerclés un peu partout. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Ukrainiens ont essayé de prendre contrôle de la frontière entre les républiques populaires et la Russie, en prétextant la livraison d'armes, de matériel ainsi que de brigades entières de la part de la Russie. Mais les troupes comme la 79e brigade qui avait pour objectif de couper la frontière se sont retrouvées encerclées dans les chaudrons de Isvarido et Androssivka. Et donc c'est vers la fin de tous les chaudrons que cette Savo Magiva a été enfin libérée. D'accord. Et contrôlée par la DNR. This was shelling from a Grad truck
shooting multiple rockets. Was nowhere to hide. At that time, the Soviet soldier was still standing. Blood screams from the soil of this hill. Amidst trees charred by artillery fire. Контакт с противником. Мы находимся очень близко, слышно друг друга четко. Сегодня имели общение, даже ночью вообще, ну, близко подошли. Бои, перестрелки. Каждый день. Вот. По много раз на день. Tous les jours, я plusieurs contacts par jour. И vient de nuit aussi. Ночью тоже. Да? Да. De nuit aussi. И днем, и ночью, даже наоборот больше. Потерял ли ты друзей на этой войне? Да. Вы? Само собой. Хорошие ребята были. С одним даже прицел.
в садике вместе были, в школе учились. Или потом на лет 20 потерялись. Гардерии, это циклоп, который на 12-ю получил зарплату туда и пошел туда, не дошел. Ils sont perdus pendant 20 ans. Mm-hmm. Après ils sont retrouvés ici. Mm-hmm. Et il avait touché son salaire. В смысле, он не дошел. Убил. На позиции. Не дошел до позиции. Да. Какое, как хотелось бы тебе, какое завершение войны желаешь ты? Какое будущее для Донецкой Народной Республики? Ну, я бы хотел, наверное, чтобы все в Донецкой Республике было хорошо. Чтобы начали работать заводы, фабрики. Мы трудовой край. Наша самая основная задача является производство. Que les gens puissent recommencer à travailler. C'est une région de travailleurs. Et il faudra relancer l'industrie. Хотелось бы, конечно, чтобы все побыстрее закончилось. И все вернулись домой. Que ça se termine le plus vite possible. Que ça se termine le plus vite possible, que chacun puisse rentrer chez toi. Que chacun puisse oublier au plus vite ce qui se passe. Si la Kiev reconnaît le DNR, est-ce que tu vas serrer la main à un Ukrainien? Если по Минским соглашениям Киев должен признать республики, что значит этого думаешь? Ты готов пожать руку украинским военным? Наверное, ну, не мои слова, вот я недавно читал такое вот высказывание. Знаете, наверное, только умный человек может простить друг друга. Иногда в жизни, мы не будем, конечно, сразу же все сжать руки, но пройдет десятилетие, двадцатилетие. История покажет, как оно будет. Резкой дружбы не будет, она невозможна. I'm Pascal, Pascal Hillebrand. If they want, they can find me on the internet, on Facebook, on that name. So you moved here with your family? I moved here with my family, yes. So why do you fight in this war, this foreign war? Why do you, choose to come here and take everyone with you and fight here? Why? There are many conflicts, and many people ask me why did I choose this conflict, and why. And it's a long story. It's not a 5-minute sentence. But if you look at the world, there are many conflicts, and I had to conclude after 10, 15 years now that the West is actually the aggressor. They are waging wars everywhere, and like now. They're warmongering about North Korea and nuking the hell out of them. In fact, they forget to mention that they killed 20% of their population many years ago. So I can imagine why those people are mad at the West, but
That's not what I want to go into. They're using the big conflicts. They're now in the media showing those blah, 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 which is a dangerous situation. But they're taking the eyes off conflicts like this, which are also being financed by tax money from people out of the West. That's my motivation. I did not want to pay for that anymore. Your brother in arms told me that he's not fighting against Ukraine and he's fighting against the Kiev regime. Is that also how you see your war? Yes, because there are soldiers on the other side which are 18, 19, 20 years old, and they're just being told, go over there, go shoot, go kill, go fight this war. They're being mobilized. They're not fighting for their beliefs. They're just doing what they've been told, and otherwise they will end up in jail or worse. So it's Prav Sektor, Azov Battalion. It's fascism. That's what we're fighting here. What people must understand: this is not a full-scale war at the moment. Lines are static. There is a ceasefire which is being violated almost every day by the Kiev regime, and so it's a war. But you have many different kinds of war: economic war, electronic warfare, hot war, cold war, information war. It's a war. When the war is over, do you want to stay here, or we would think to move somewhere else? I don't want to go back. I've heard several stories of people who went back to the West and were not arrested. But I know stories about people who went back to the West and they are doing 5 to 15 years. I'm not going to risk that. If I'm going, I'm busy getting my passport here, and I will have that soon. So, big part of the world I can travel if I plan my trips. I'm not going back. I escaped the influence of the EU, of NATO. That's where I, to the other side. Do you feel more free here than in Holland? Yes, because if many things are 30 years behind over here. But if you want to start something, or you want to hold chicken, or many, you want to do something, there are not that many rules. There are rules, of course, but it's not like you have to have a permit for this, or a permit for that, or a permit. You start, you pay your taxes, which are way lower than on the other side. Right. It's people want to live. People in the West think there's a form of communism here. I think Nazi Germany isn't what it was before. It's developed into what it is now, as I see it. But it has another name. And here, they embraced partially capitalism. Today, Stefan Bandera is a spiritual leader of Ukraine. Bandera was a bloodthirsty, barbaric Ukrainian warlord who fought for the independence of Ukraine during World War II. Then, Bandera supported Nazi Germany as he moved to sever Ukraine from the Soviet Union. Hence, Nazi flags and logos harbored to this day by Ukrainian nationalist militia called Azov Battalion and Prav Sektor. Bandera orchestrated the genocide of 150,000 Poles in the Volyn region. Azov Battalion was incorporated in the Ukrainian National Guard, but Prav Sektor went on the loose. The rabid dogs from Prav Sektor no longer obey the Ukrainian army's command since 2015. And so, because they are no longer paid, they pay themselves, plundering villages. The Ukrainian army and the DNR army both have to shoot at Prav Sektor battalions. But Ukrainian official body count attributes their victories on Prav Sektor terrorists as if they were members of the DNR regular army, which is voluntary disinformation at best. Sergei, tu as combattu ici? Bien sûr. Où est-ce qu'on est? Donc nous sommes dans un lieu qui s'appelle Promka, mm-hmm.
qui correspond à une petite partie de la ville Avdiivka, contrôlée par les forces ukrainiennes, et dont le petit bout correspond à la zone grise. Donc il s'agit de la zone industrielle de Avdiivka. Comment s'est passée la bataille quand tu étais là? La bataille a commencé plus exactement fin février 2016. Il faut savoir que cette route a été avant cela très pratiquée, puisque c'est la route qui lie Donetsk à la ville de Gorlovka. Et les forces ukrainiennes ont franchi la zone grise, ont entré dans la zone industrielle et ont ouvert le feu sur l'autoroute à l'aide d'armes automatiques et d'artillerie, donc pour couper les communications entre les deux grandes villes. Depuis le mars 2016, nous avons ici mis des lignes de défense donc pour empêcher les Ukrainiens d'avancer dans le village. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, donc, les combats les plus meurtriers et les plus difficiles ont lieu à cette zone-là. À titre de comparaison, par exemple, sur Avdiivka, il tombe autant, voire plus d'obus par jour que sur le reste du territoire de la DNR et de la LNR ensemble. Tout en violation des accords de Minsk? Bien sûr. Donc, les accords de Minsk interdisent l'utilisation des obus d'artillerie du calibre supérieur à 100 mm. Cela veut dire qu'on peut utiliser du mortier de 82. Or, ici, on peut voir que les destructions qui ont été causées l'ont été par des armes de plus gros calibre. Donc ici, il y a de l'artillerie 120, 150 et parfois même des lance-roquettes grades. Ce qu'on entend là maintenant, les détonations, c'est quel genre d'obus à ton avis? Là, il s'agit d'artillerie 82, mais on a entendu quelque chose de plus... Ça, c'est de la GS. Mais donc pour l'instant, il s'agit du 82, mais souvent, et notamment la nuit, dès qu'il commence à faire nuit, c'est des calibres beaucoup plus gros qui sont utilisés. La semaine prochaine, tu vas à Genève. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter au débat en tant que combattant de la DNR? Qu'est-ce qui sera ta plus-value au niveau de la défense des droits de l'homme par rapport au débat sur ce conflit? Eh bien, étant donné qu'il s'agit d'un conflit qui n'est quasiment pas couvert par les médias occidentaux, je vais tout d'abord dire que la guerre a bien eu lieu. Et d'ailleurs, on l'entend en ce moment même. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les instances européennes et occidentales en général qui ont pris la responsabilité de faire appliquer les droits de l'homme partout dans le monde, devrait savoir qu'ici, la partie ukrainienne, qui est censée être pro-européenne, ne les applique pas toujours comme il faut. Nous sommes ici sur une ancienne autoroute qui était pratiquée par des civils. Et donc ici, tous les jours, il y avait un très grand trafic. Donc l'ouverture de feu et de feux d'artillerie sur cette autoroute constitue, comme on dit déjà, un crime de guerre. So we are here speeding because the shooting started and shells have come to where we're driving for shelter and the bridge, but now we are not sheltered. So not worry about radars. On est ici à un endroit qui va nous montrer le véritable niveau de matériel que nous avons dans les forces de la DNR, puisque en Occident on parle d'entières divisions de l'armée russe qui viennent ici avec leur matériel. Bah, en fait, on peut voir déjà que on a plutôt des vieilles voitures de l'époque soviétique. Et aussi de ce côté-là, tous les trophées que nous avons récupéré autour dans les différents chaudrons que nous avons eus. Donc en l'occurrence ici il s'agit de l'aéroport de Debaltseve. Debaltseve qui est un énorme chaudron dans lequel les Ukrainiens
ont laissé des tas et des tas de matériel. Donc sur cette base-là, on rassemble le matériel et on le répare. Mmh. Tiens, d'ailleurs, je me demande ce que c'est comme camion. Là, il s'agit d'un camion qui n'est certainement pas russe. Hein. Mmh. Ah, voilà. Ah, très bien, attends. Bon, c'est un camion ukrainien. Ça, c'était la vraie cabine de ce camion. Nous avons aussi des restes de véhicules ukrainiens. Donc les bandes blanches indiquent que ces véhicules appartiennent aux forces armées ukrainiennes. C'est comme ça qu'ils s'identifient sur le terrain. Mmh. Donc là, plus loin. Là, pareil, bande blanche. Mmh. Il y en a un peu de temps. Ouais. Donc ils vont monter un moteur d'un Kamaz là-dessus. Mm-hmm. C'est en cours. Pour l'instant, il n'est pas utilisable. Sur remonte. Remonte. Process. Process remonte, là. Donc le véhicule transport aux troupes. Le parachutiste qui est équipé notamment la 25e brigade aéroportée ukrainienne qui s'est fait massacrer tout au long du combat de 2014. Tout ça, c'est des véhicules qui sont des véhicules ukrainiens et qui ont été restaurés et qui sont aujourd'hui en service, utilisés par la brigade Piatnashka. 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 Qui est une unité constituée d'Abkhaz et de locaux. Il est déjà repeint celui-là. Ouais. Magnifique. Et ici, donc on a deux BMP, véhicule de transport de troupes d'infanterie. Mm-hmm. Et un MTLB qui est aussi un véhicule de transport de troupes d'infanterie qui est fait. Franchissement de terrain très très difficile. Donc, tout ça aussi, comme tu peux le voir, vient par là. Tu vois, bande blanche, anciennement. Bande blanche, tout ça, c'est du matériel ukrainien. Mm-hmm. Restauré, dessiné. Là, on voit pas. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Thank you.
Ukraine has lost this war. The front line is static and hasn't moved in 2 years. Ukraine lost its air force during the war, having most of its Su-25s and helicopters shot down one after another. The future of the DNR is uncertain, but hopeful. A new generation is rising that will strengthen the Republic and the civilized values it stands for. Western media have been lying about this war, and when they run out of lies, they just ignored it. After all, who cares about an ongoing war at the gates of Europe? Well, sorry to disturb you with facts, but Ukraine's government is nothing but an illegal junta. And given how it behaves, Ukraine does not even qualify to apply to join the European Union or be friends with them, the EU boasting itself with such and such human rights record. But a country's human rights record only matters these days if it's reported in the mainstream media, which it isn't, if it serves a darker, more hidden agenda, such as having a NATO puppet country under the soft belly of Russia.